je vais parler depuis quelque chose, je vais parler depuis quelque part, le fait que j'étais délégué TIC à la région Aquitaine jusqu'à récemment, et que j'ai eu l'opportunité de proposer à nos élus le programme de recherche Rodin. Voilà, c'est comme ça que c'est né évidemment d'opportunités institutionnelles, et je reviendrai sur ce sujet-là parce qu'il n'est pas négligeable. Je dirais simplement que je suis arrivé il y a longtemps sur ce territoire, et sur ce territoire institutionnel également, et que j'ai constaté que la recherche ici était très fortement orientée sur la R&D et les métiers d'ingénieur. Et pour ce qui concerne le numérique, évidemment, les STIC étaient en tête de gondole. Et dans l'apprentissage que j'ai fait du numérique, quand j'étais petit, là en l'occurrence, je me souvenais encore du triptyque infrastructure, service, usage, et je voyais que l'usage, il n'en était à peu près jamais question. Probablement n'était-il pas tant qu'il en soit question auparavant, parce qu'il fallait bien débrouiller les pistes, être pionnier un peu dans tout en même temps, et faire en sorte que les choses avancent et que les questions finissent par se poser. Et quand l'équipe de Didier et de Valérie sont venues me trouver pour me dire « Mais nous, et les SHS et le numérique, qu'est-ce qu'on fait? Comment on n'arrive pas à exister? On a une université qui ne nous entend pas très bien, on ne sait pas très bien ce qui se passe dans les autres universités bordelaises ou valoises. » Je crois, hélas, que c'est encore un peu le cas, mais bon, ça va changer. Bien, je leur ai dit, bien, essayons de travailler sur l'usage. Voilà, c'est ça l'origine de Rodin, à partir de quoi le pragmatisme universitaire a joué son rôle aussi, et il nous amène ici aujourd'hui, alors que Rodin existe toujours, et que pour ma part, je suis libéré de toute obligation, sauf celle de parler, et vous avez vu que je ne m'en suis pas privé. Très sincèrement, c'était tout à fait modeste, mes interventions, je ne suis pas un chercheur, je ne suis pas un scientifique, je suis un généraliste du numérique et je le revendique, mais je suis surtout un citoyen de cette région. Voilà. Alors pour commencer mon témoignage, je voudrais vous signaler que j'ai été particulièrement intéressé par les deux premières conférences, pour ceux qui n'étaient pas là, qui ont eu lieu hier matin, avec Serge Proulx et Francis Jauré-Guibéry, qui m'ont marqué par leur pessimisme, en réalité. J'ai ressenti vraiment des appels à la résistance de l'un comme l'autre. De Serge, j'ai reconnu, je sais qu'il avait raison quand il a parlé, et ça m'a paru être un concept fort, de naturalisation des valeurs du marketing. C'est absolument terrible cette asymétrie qui se crée et que tu as signalé, et qui, moi, m'a parfaitement fait peur, au point d'ailleurs que je me suis dit que très souvent, c'est ce sur quoi nous avons échangé, que la recherche en la matière était une recherche marketing. Ce n'était pas de recherche, c'était des travaux de marketage de produits, de services et de produits. Évidemment, dans cet temps, tu as également proposé des lieux de combat contre ce que tu appelles les environnements incapacitants. Tu proposes que l'on travaille pour rendre ces environnements capacitants. C'est un vrai combat, et là, déjà, je m'interroge sur le rôle que les chercheurs peuvent jouer là-dessus. Les chercheurs et probablement une alliance STIC-SHS, très, très indispensable, qui reste encore, c'est un mariage qui reste encore à réussir, me semble-t-il, faute de quoi, eh bien, les SHS parleront dans le vide et les STIC feront ce qu'on leur commande, et ce qui est un vrai sujet d'inquiétude à un moment où la recherche trouve de plus en plus de difficultés à se financer où que l'on soit dans le monde et quand on n'est pas dans les zones de marché prioritaires. Voilà. Jauré-Guibéry, lui, m'a également inquiété avec ce qu'il qualifie de désenchantement du monde, avec tous ces services qui se mettent en place et qui sont, qui d'une certaine manière, avec les sous-textes encyclopédiques ou pratiques qui nous font visiter le monde, font que l'on n'est jamais déçu parce qu'on a toujours le discours standard sur le monde. On a toujours l'accompagnement qu'il faut et qui nous prive de toute poétique de l'espace, de toute appréhension réelle de ce que l'on est en train de visiter ou de pratiquer. C'est probablement encore pire que le pire des algorithmes, je crois, Serge, c'est le désenchantement. On n'a plus le droit d'être déçu. Et ça me fait peur de n'avoir plus le droit d'être déçu parce que c'est mon job d'humain d'être déçu pour rebondir. Alors évidemment,
que Francis appelle, comme d'autres, au devoir de déconnexion. Ce devoir de déconnexion, je veux bien, mais il n'est pas très pratique dans un moment où aujourd'hui, et de plus en plus désormais, nous sommes contraints à la connexion. Nous y sommes contraints pour des raisons qui sont même extérieures à notre vie quotidienne, qui sont notre vie réglementaire, qui sont notre vie administrative, notre vie de citoyen. Comment se déconnecter alors que, comme je me permettais de le dire à notre ami cet après-midi, alors qu'on est devenu les prothèses de nos administrations. Je voudrais d'ailleurs là-dessus parler de cette conférence de notre ami de Montréal qui m'a particulièrement intéressé dans son rapport au corps, et je vois que d'autres ont répondu, ont réagi à cela avec beaucoup d'intérêt. C'est la réintroduction du corps par le numérique. Cette réintroduction du corps, j'y rajouterai, si notre ami nous le permet, j'y rajouterai ce que je perçois comme une évolution sémantique, mais qui n'est pas sans valeur. Quand j'ai commencé à travailler dans ce domaine, il y a maintenant une vingtaine d'années, allez, un peu plus, on parlait de TIC, on parlait de nouvelles technologies. Puis c'est devenu les NTIC, qui ont été bien évidemment en combat avec les TICE, c'est-à-dire les TIC dans l'enseignement. D'ailleurs, je constate encore que dans l'enseignement, on continue à utiliser l'appellation TICE de temps en temps. Ça veut dire que l'emprise du numérique n'est pas encore identifiée comme telle. On est simplement avec un petit gadget qu'on va utiliser à bon escient, et donc à mauvais escient, si c'est un gadget. Forcément à mauvais escient. Donc, un de nos combats, qui n'a l'air de rien au sein de la région Aquitaine, a été de faire progresser de NTIC à TIC, notre appellation, puis ensuite de passer au numérique. Et nous n'en sommes pas encore là, pas tout à fait au sein de la région Aquitaine, puisque malgré mon départ, eh bien, la délégation reste régionale, reste une délégation TIC, alors que nous avions souhaité qu'elle devienne délégation au développement numérique. Donc tout ça n'est pas très grave, mais devient un peu plus grave quand je constate que notre partenaire, notre voisine, notre adversaire parfois, en tout cas pour ce qui concerne les politiques, c'est-à-dire en tout cas la ville de Bordeaux, a elle décidé d'installer un discours sur le digital et sur la cité digitale. Et à travers digital, j'entends bien qu'il est question de réintroduction du corps. C'est-à-dire que le numérique, c'est une interface où le texte existe, qui conditionne mon comportement à travers la connaissance et l'utilisation d'un clavier. L'interface, le digital, c'est le tactile. Et là encore, le corps se réintroduit avec l'abandon de l'écriture. Ce qui est évidemment une petite surprise, mais qui va nous en réserver à mon sens bien d'autres. Je voudrais enfin finir sur ce premier aspect, les grandes conférences qui nous ont réunis, en m'adressant une nouvelle fois à Daniel Kaplan, en lui disant toute l'admiration que je lui porte, parce que je sais que son job est toujours difficile, parce qu'il a la revendication absolue de son autonomie. Et celle-là, je vous demande de la respecter absolument. Et lui parle, comme moi, de l'endroit où il est, c'est-à-dire du centre où il essaie de se situer, du centre des lieux de pouvoir, du centre des lieux qui, de temps en temps, lui donnent des ressources. Et il est contraint, je le sais, de vivre avec, tout en essayant en permanence de faire des débordements, de sortir de ces lieux de contraintes en maintenant son autonomie. Et bravo à la fille de continuer à y arriver. Pour finir, je voudrais simplement vous faire part de deux ou trois réflexions qui me viennent des deux séminaires auxquels j'ai pu participer. Évidemment, la multilocalisation des séminaires ne m'a pas permis d'être partout, mais ceux auxquels j'ai assisté, m'ont permis d'identifier deux ou trois questions qui se posent. Le séminaire sur les papis, qui était animé par Didier Paclerc, évidemment, a posé la question de l'évolution de l'intervention publique à travers, ou de l'initiative également, à travers le passage des espaces publics numériques au tiers-lieu, avec un changement de fonction, avec un changement de temps, de période, etc., et avec des changements d'objectifs. C'est-à-dire que la période pionnière du numérique semble s'achever aujourd'hui, alors que probablement tous les efforts de sensibilisation restent à faire, mais probablement également autrement.
et que s'inventent ces tiers-lieux, ces espaces de coworking, qui vont calibrer, animer notre espace périurbain et rural, avec ce désir que nous avons tous que ces lieux deviennent, alors que bien des services publics se sont éteints, deviennent les lumières qui restent quelque part allumées tard le soir. Et cette lumière qui rend confiance aux populations, qui leur permet d'avoir un reste de confiance, j'ai tendance à y croire beaucoup. Malgré tout, ces lieux de médiation sur le numérique, ces lieux de rencontre sur le numérique, faut-il encore en faire? Faut-il encore des lieux? C'est une question qui se pose avec la question qui se pose également, qui est celle de l'appauvrissement de la ressource publique, qui est un vrai sujet d'aménagement du territoire, mais qui nous préoccupe tous. C'est une question qui se pose aux chercheurs, me semble-t-il, et c'est ce que je voulais... c'est ma contribution à vos conclusions et à vos recherches futures. Je crois que vous avez intérêt à interdisciplinariser encore davantage vos travaux en associant, ce à quoi j'invite Robin depuis un certain temps, j'invite Monica aujourd'hui, mais je crois que tu le fais, Valérie, en y associant eh bien, deux types d'acteurs. Les acteurs qui analysent, qui font l'analyse, qui sont à Sciences Po ou ailleurs, en tout cas, il en existe, des recherches, qui font l'analyse des processus de décision publique. Je crois que c'est indispensable quand on parle d'aménagement, de se préoccuper de ce sujet-là. Sinon, cette question va rester une question dans le court terme, c'est-à-dire ça va rester une question de journaliste. L'analyse de la question publique, de la décision publique, est un sujet à long terme tout à fait passionnant et qu'il faut venir croiser avec ses objectifs d'implantation ou pas de nouvelles structures qui garderont une lumière dans la ville. Et évidemment, l'autre recherche qu'il vous faut conduire, c'est celle qui fait notre limite, notre frontière, c'est notre interrogation sur le modèle économique. Vous savez, le modèle économique de ces sujets-là, c'est toujours la question, encore la dernière question qu'on pose au maître d'ouvrage, c'est évidemment la première question qu'il se pose, tout en probablement très souvent se la cachant à lui-même avec des business models qui sont d'un caractère bien plus provisoire que ses réflexions plus approfondies. Voilà ce que je tire du séminaire auquel j'ai participé. Je ne doute pas que les deux autres séminaires qui ont eu lieu à l'espace juridique se sont posés ce type de question. C'est celle de la pérennité et de l'insertion, de la mise en dialectique de la recherche avec la fonction avec l'action publique. Dans le sens où, par exemple, quand on fait un diagnostic sur l'état de l'agriculture et du numérique, on n'a pas besoin simplement d'un diagnostic. On a besoin d'une clinique continue de ce sujet-là. Et il faut savoir, tous les deux ans, tous les trois ans, tous les cinq ans, Dieu sait quoi, mais en tout cas, il faut savoir souvent ce qui se passe, il faut savoir mesurer en continu. Ce n'est pas, a priori, votre job de chercheur. Vous faites des diagnostics et vous en tirez des conséquences, vous en tirez du savoir et de la connaissance. Mais le benchmarking des états sociaux, le faites-vous suffisamment souvent pour, en dehors de l'action des sociologues, pour nous aider, nous, acteurs publics, à agir en conséquence, en n'étant pas enfermés dans des certitudes qui sont mortes. Voilà ce que je peux dire pour ce premier séminaire. Enfin, le séminaire de ce matin était également passionnant, c'est celui de la webométrie, celui qui portait sur l'analyse des alignements stratégiques des sites web, pour ceux qui n'étaient pas là, des sites web des organisations. Qu'en est-il de la fiabilité, de la vérité, de la sincérité, de l'opportunité de mise en place d'un site web qui doit exprimer les options stratégiques et opérationnelles, bien sûr, d'une organisation publique ou privée. L'outil qui a été mis en place a été confronté, passablement affronté aussi, avec les remarques que les entreprises qui étaient là et qui font de l'analyse du web également. Nous avons ici une assez belle palette d'entreprises qui analysent le web sous toutes ses coutures, et même ses coutures invisibles. Et ceux-ci, ces entrepreneurs, c'était une belle rencontre, nous ont signalé la différence de temporalité qui existe entre la recherche et la vie industrielle. Surtout dans ce monde du numérique où ça va, dit-on, tellement vite. Première remarque, ça ne va pas si vite que ça quand il s'agit des organisations publiques. Franchement, entre le moment où une chose est décidée et le moment où elle se met en œuvre, il y a toujours un peu de temps pour... même un peu beaucoup de temps, je peux en témoigner, ça nous est souvent arrivé. Néanmoins, les industriels ont appelé
les chercheurs à assurer une contribution continue, c'est-à-dire à produire les brouillons de, leur, de leurs études, les brouillons des résultats de leurs études, de leurs enquêtes, pour qu'ils viennent contribuer à l'excitation permanente que vivent les industriels, qui consiste à toujours faire front à une réalité toujours changeante. Qu'en est-il alors? C'est la nouvelle interrogation, cette interrogation qui se pose à vous, chercheurs, et c'est là-dessus que je voudrais terminer. Qu'en est-il de votre statut dans la société? Une nouvelle fois, il s'interroge. Qui est votre commanditaire? Qui sont vos commanditaires? Comment pouvez-vous à la fois maintenir votre activité de producteur de connaissances, de producteur de savoir, qui doivent avoir une certaine stabilité, et votre rôle indispensable d'acteurs sociaux qui doivent contribuer au bien-être? Voilà, c'est une question qu'il vous reste à trancher. Merci. Merci Michel. La question que tu poses en terminant est diabolique. La place des chercheurs aujourd'hui, impossible d'y répondre en deux minutes, mais je pense que l'exemple du programme de recherche qui nous réunit aujourd'hui et qui a réuni un nombre considérable de chercheurs pendant 4 ans est assez remarquable parce qu'il est le fruit d'une collaboration et d'un dialogue justement entre des acteurs publics, des collectivités, des entreprises et le monde de la recherche. Et je pense qu'à ce titre-là, c'est vraiment quelque chose qui, j'allais dire, fort à date, en tout cas au sein du laboratoire. Alors moi, en tant que directrice du laboratoire MICA, c'est le laboratoire en sciences de l'information, de la communication et des arts de l'Université de Bordeaux, c'est le laboratoire qui a hébergé le projet Rodin, conduit par Didier Baclin. Je ne peux que me féliciter, évidemment, de ce programme, de sa réussite. C'est quelque chose en sciences humaines qui est un programme très ambitieux par son budget, par le nombre d'équipes mobilisées, par sa durée. C'est un projet donc européen soutenu par la région et qui donc a permis une collaboration sur tous les fronts que vous avez pu constater en venant donc à ce colloque de clôture. Alors je crois qu'il a vraiment potentialisé les relations locales, des relations régionales, des relations de travail entre chercheurs, puisque des universités très éloignées, et l'Université du Québec, outre-Atlantique, où des chercheurs ont été mobilisés dans de nombreux espaces. Et donc ce programme de recherche, il a permis une réflexivité sur les pratiques d'un territoire, pour lui donner une nouvelle intelligence de ses pratiques, pour essayer d'avancer. Je pense que là, on a vraiment le fruit d'une collaboration un petit peu exemplaire de ce qu'on peut faire de mieux dans la collaboration. Et à ce titre, je voudrais remercier vraiment tous les chercheurs qui ont participé à ce programme, et particulièrement Didier Baclin qui l'a conduit. De multiples possibilités, de multiples suites s'offrent à nous. Tu évoquais, Michel, l'élargissement interdisciplinaire encore plus large en sciences humaines et sociales, avec la participation de politistes ou de personnes qui s'occupent de politiques publiques. On a plusieurs projets, donc ça va être l'objet maintenant d'une petite présentation, notamment des suites possibles qui vont faire travailler ensemble, on l'espère, à la fois des chercheurs de STIC, Sciences et Technologies de l'Information et de la Communication, et de SIC, Sciences de l'Information et de la Communication, c'est-à-dire chercheurs de sciences dures, informatiques, maths appliquées, de sciences humaines autour des pratiques de communication, mais aussi des chercheurs en droit, des politistes, etc. Alors, des collaborations, mais pas seulement, mais des collaborations nées sur ce projet Rodin, des dynamiques locales engendrées par notre réflexion commune sur le numérique, pas seulement entre universitaires, mais aussi avec des agences locales. Donc, sont nés plusieurs projets. Et je vais vous présenter ici, dans un premier temps, avant de laisser la parole à Didier Baclin, qui a dans ses valises des projets pour faire suite à ce projet Rodin, un projet qui est un projet d'Institut des humanités digitales.
Alors, ce Institut des humanités digitales, on a parlé d'humanité numérique tout à l'heure. Je vais revenir très brièvement sur les définitions de ce qu'on appelle humanité digitale. Alors, un domaine, on pourrait revenir sur la distinction entre humanité digitale et numérique. Il nous a dit le digital, c'est la dimension haptique ou celle incorporelle des pratiques numériques. Bon, on s'est déjà discuté plusieurs fois entre collègues sur ces distinctions. On ne va pas recommencer immédiatement, bien que ça pourra faire l'objet de débats plus approfondis. Alors, les humanités digitales, globalement, c'est le mariage ou en tout cas l'association des sciences humaines et sociales avec des pratiques numériques pour essayer de regarder comment les pratiques numériques transforment les modèles et les pratiques de la recherche. Donc, si le regard que l'on a eu à travers le programme Rodin a été surtout centré sur les pratiques professionnelles de la sphère économique, là, on va essayer d'approcher les pratiques de la recherche en regardant un petit peu comment le numérique transforme les pratiques de la recherche en SHS, en regardant donc sur ce cadran comment faire de la recherche via Internet et les réseaux sociaux, comment faire de la recherche sur les pratiques numériques, mettre en forme les résultats et les données de recherche pour une valorisation et enfin faire de la recherche avec de nouveaux outils numériques. Alors, via faire de la recherche via Internet, et c'est regarder comment on va pouvoir utiliser Internet pour acquérir donc des nouvelles données, recueillir des témoignages, accéder à d'une nouvelle façon à des corpus ou à des informants, faire de la recherche sur les pratiques numériques contemporaines, on connaît, c'est ce qu'on a fait ici dans le programme Rodin. Mais on peut, le développer, notamment en ce qui concerne la communication scientifique. Faire de la recherche avec des nouveaux outils numériques, c'est là où la collaboration avec nos collègues de STIC, de maths appliquées et d'informatique sera la plus précieuse, parce qu'il nous faut construire, même s'il existe déjà de multiples outils, construire et utiliser de nouveaux outils numériques pour optimiser les processus de recherche. Et enfin, faire de la recherche pour un archivage numérique, pour une diffusion numérique différente et plus large, notamment avec des nouvelles formes d'édition ou l'élaboration de nouveaux canaux de diffusion. Alors ça, c'est visible. Donc, les objectifs stratégiques, c'est évidemment essayer faire collaborer différents chercheurs en SHS de manière encore plus large que ce qui a été fait peut-être ici dans Rodin, en sollicitant donc des politistes et puis également des gens de droit de la propriété intellectuelle, des historiens, améliorer le rayonnement international des sciences humaines et sociales aquitaines notamment, mais aussi plus largement françaises et francophones, et puis essayer de nous positionner à la pointe de la réflexion sur les usages du numérique. Alors, on a pensé structurer le projet avec deux axes. Un axe qui va s'intéresser aux nouveaux modes d'exercice de la recherche en SHS, et puis un axe qui va développer de l'expertise et des services sur les projets numériques, notamment à travers le développement d'outils, la mise en place d'un réseau social centré sur la recherche, mais aussi la mise en œuvre d'un centre d'expertise pour des projets de numérisation. Alors, un côté recherche, avec le VOIR, un observatoire des usages également, des ateliers de recherche thématiques, et puis des ateliers prospectifs et de mail. Alors, je vais passer très vite parce que je crois qu'on a peu de temps maintenant, Didier, on est un petit peu pressé. Donc, 8 laboratoires partenaires de ce projet, un laboratoire d'histoire, le CEMMC, Histoire moderne et contemporaine, un laboratoire en droit des affaires et des contrats.
l'OCTRA, l'Université de Bordeaux-Calme, de la BRIP, en informatique et technologie de l'information, le Santé Middelcalme, c'est le laboratoire de sciences pour Bordeaux, un laboratoire en sciences du langage, TLM et son équipe Télanco, le MICA, donc notre laboratoire, le laboratoire ADES, géographie essentiellement, urbanisme et aménagement, et l'UMR, une UMR de cognitique à l'Institut Polytechnique de Bordeaux. Donc voilà les laboratoires partenaires de ce projet. Donc vous voyez qu'on élargit la donne pour envisager le numérique sous des angles très diversifiés. Des plateformes technologiques sur le campus qui vont soutenir le projet, sur lesquels je ne vais pas m'apesantir. Des partenaires régionaux et nationaux, des partenariats plutôt qui sont encore en construction, des partenariats européens dans le domaine des humanités digitales, des laboratoires commencent à être assez nombreux dans ce domaine. Des enjeux, évidemment, pour créer de nouvelles formes de médiation du savoir, et on a l'intention de travailler aussi avec la science qui travaille sur la médiation du savoir scientifique, de la capitalisation des savoirs constitués en réseau, l'innovation, la visibilité, bon, toutes les, la valorisation du patrimoine scientifique, tous ces enjeux sociaux évidemment très importants associés à la communication scientifique. Alors, il y a évidemment des enjeux économiques aussi, sur toute l'exploitation des contenus du patrimoine immatériel pour la création de nouveaux services. Et dans les projets, j'ai oublié de vous dire que ce projet est intégré dans le cadre de l'initiative d'excellence bordelaise. Et donc, tous les projets associés à cette initiative d'excellence doivent aussi avoir une dimension de transfert et remplir des objectifs de création de valeur, donc répondre aux enjeux économiques. Donc on a intégré cette dimension dans notre projet. Alors, on a le projet se structure et on a actuellement cinq pôles qui sont en cours de construction, qui ont déjà travaillé, qui se réunissent en séminaire pour finir d'élaborer le projet qui devrait se développer sur les 5 premières années avec un bilan d'étape, puis être étendu pour une 5 autres années, donc qui devrait nous tenir pour une durée assez longue. Donc un pôle d'observatoire des usages du numérique dans la recherche, et vous aurez compris Didier Paclin qui va le coordonner, que de nombreux travaux réalisés dans le cadre de ce projet Rodin vont pouvoir être potentialisés et déployés. Un atelier de recherche thématique et des ateliers de prospective qui vont être dirigés par Franck Morandi, donc un copie de l'IUFM. Un pôle sur les nouveaux outils pour la recherche en SHS. Donc ça, c'est le développement d'outils numériques et informatiques pour la recherche, dirigé par Jean-Philippe Domanger du Labri Bordeaux 1. Un pôle sur qui consistera à essayer de réfléchir sur les réseaux sociaux de chercheurs et qui cherchera à en constituer un en faisant toutes sortes d'expérimentations autour de ces potentialités. Et enfin, un centre d'expertise pour les projets de numérisation dirigé par Mathieu Gerbeau, qui a été recruté par le Centre commun de documentation du PRETS, en liaison avec des entreprises de numérisation aquitaine. Voilà, donc je ne détaille pas ce projet, simplement pour vous donner une information large des suites potentielles du projet Rodin. Et évidemment, je répondrai à vos questions tout à l'heure s'il y en a, et je vous remercie de votre attention. S'il y a quelques questions, n'hésitez pas, avant que j'assure la connectique d'une machine à l'autre.
Alors là, on a actuellement une soixantaine de chercheurs qui sont concernés, donc des 8 laboratoires initiaux, mais aussi il y a des gens du monde de l'archive, des centres communs de documentation, du monde de la muséologie scientifique. Donc ça fait effectivement pas mal de monde. On a un comité de pilotage qui comporte une vingtaine de personnes et à peu près 60 personnes qui se sont déterminées pour participer au projet. Alors il faudra voir dans la continuité comment ça va se passer, mais ça fait quand même pas mal de monde déjà qui se mobilise sur ces questions. Bien, mesdames et messieurs, pour nous approchons de la fin à 17h01 donc de ces deux journées passées sous le signe de l'échange, du partage, de l'ouverture. Et en quelque sorte, le projet sur lequel nous avons travaillé, donc à quatre. Nous sommes nommés les quatre mousquetaires, sans doute parce que ce projet naissait en Aquitaine et qui s'appelle Aquilabs, est en quelque sorte une concrétisation de ce désir de partage, d'échange et de contribution à la compréhension des usages et des non-usages du numérique dans différents secteurs d'activité au cœur et au sein d'un territoire. Quelques éléments historiques par rapport à l'émergence de ce projet. Bon, vous avez, je pense, au cours de ces deux jours, pu prendre conscience de ce qui avait été réalisé donc, dans le cadre de la dynamique Rodin, donc de 2008 jusqu'en 2012, travaillant donc sur ces problématiques des usages, essayant de travailler et tout en ayant conscience, comme le rappelait Michel, qu'il y a encore des marges de progrès sur les dimensions pluri-inter-transdisciplinaires. C'est-à-dire qu'au fond, toute cette dynamique-là, peut-être pouvait-elle prendre un autre sens, un autre corps, et peut-être dans un tiers lieu, pour reprendre l'une des images qui était, l'un des sujets qui a été évoqué hier après-midi. Et peut-être qu'il y a également de nouvelles formes de contribution à la compréhension de la construction de ces usages qui peuvent être mises en place, et c'est l'objet donc de ce projet. Ce projet qui est également s'ancre dans une analyse, des politiques conduites par le Conseil régional en matière de numérique au cœur des territoires, et puis également qui fait complément avec le travail qui a été fait au niveau du Conseil général de Gironde, également sur le schéma directeur numérique, en tout cas sur le projet Gironde. Et donc, dans ce contexte-là, est née cette idée d'un laboratoire des usages. Alors, d'un laboratoire des usages, l'objectif, là, en quelques minutes, c'est de vous dire ce que cela pourra être dans le futur. Donc, aujourd'hui, un certain nombre d'acteurs ont contribué à sa préfiguration. Donc, le terme est important, c'est-à-dire préfiguration, c'est-à-dire un objet qui demeure ouvert et qui continuera par essence, par construction et par principe à demeurer ouvert. À rester ouvert, à la fois dans ses outils, dans ses méthodes, dans ses partenariats et dans son fonctionnement. Ça ne veut pas dire que c'est un mode inorganisé, loin de là, mais une ouverture qui vise justement à assurer cette permanence de proximité entre les compétences recherches qui sont développées dans les laboratoires et les problématiques qui sont portées par les territoires, que ce soit des acteurs du monde socio-économique en tel, des collectivités, des associations, et qui, l'ensemble de ces acteurs, peuvent avoir en commun cette préoccupation autour des usages. Pour préfigurer Aquilabs, nous avons donc travaillé avec à quatre acteurs, ou avec d'autres bien entendu, si je puis dire, la co-écriture a été assurée par ces quatre acteurs. Donc je voudrais citer les origines. Bon, je pense que depuis deux jours, on commence à en avoir assez, donc vous savez ce que je fais. Mais les trois autres sont plus importants. C'est-à-dire, d'une part, la présence
d'une structure qui est Télé Santé Aquitaine, donc il y a Catherine Rabouté qui s'occupe, qui est responsable du pôle usage dans un secteur qui est le secteur de la e-santé. Donc, apportant toute cette problématique donc, sectorielle autour des usages. Un acteur qui vient davantage de celui de l'entreprise, mais qui a également, une faiblesse, au sens positif du terme, sur la compréhension, des dispositifs et des interactions, etc. Entre nous, notre spécialiste de la fondance, bien sûr, il y en a d'autres dans la salle, Raymond, je pense, en donc de la société Hertzien, et puis Christophe Pantier, qui est là, de la société e-solution, qui a compris dans toute son expérience professionnelle de consultant, mais peut-être qu'il y avait à réviser, à reconstruire cette posture de consultant. Et ce qui nous a intéressé dans ce montage, qui est par nature interdisciplinaire, c'est de préfigurer un objet qui est Aquilabs, qui soit ni du consulting, ni une UMR, un lieu de production. Comme on peut l'entendre, de recherche, ni une structure qui est instrumentalisée au sens du terme par un secteur, mais un lieu de réunion, de convergence autour de problématiques. Donc, fort de cette construction, nous sommes parvenus à une esquisse, autour de 6 fonctions. C'est petit, c'est très bien, c'est pour vous donner le point et développer l'appétence neuronale en étant savoir plus. Une roue. Pour signifier plusieurs choses dans cette illustration, à la fois la roue pour signifier pour nous le mouvement, ce mouvement qui semble important par rapport aux problématiques qui sont en évolution, sa première chose, et également l'ouverture qui est spécifiée par les espaces blancs qui séparent les différentes fonctions. C'est-à-dire de prendre, si je prends cette analogie au métabolisme, cellulaire, c'est à la fois avoir cette structure cellulaire qui contient une action et avec cette porosité qui assure les échanges entre ce monde intérieur d'Aquilabs et ce monde extérieur qui pose la vraie problématique et qui repose le fonctionnement de cette cellule dans un organisme beaucoup plus global. L'objectif de cette démarche rejoint l'un des principes humanistes qui a été rappelé tout à l'heure par Milad du siècle des Lumières, à savoir la production d'un bien commun. Le bien commun que nous visons à travers cette préfiguration et cette instance donc Aquilabs, c'est de contribuer ensemble, c'est-à-dire l'ensemble étant des chercheurs, étant des acteurs qui se questionnent sur comment faire tel dispositif, j'ai déployé ce dispositif, ça ne fonctionne pas bien, etc. Et aussi, ce qui nous intéresse fortement, ce sont les usagers, je reviendrai, mais de contribuer à la constitution d'un patrimoine commun, à la fois de données, à la fois d'outils, de méthodes et de résultats, dont l'objectif est d'alimenter chaque catégorie d'acteurs dans son cheminement, dans ses problématiques et dans ses avancées, que ce soit des avancées de recherche, dans ses avancées socio-économiques ou dans ses avancées citoyennes, c'est-à-dire d'usage au quotidien du numérique. Par rapport à... pour atteindre cet objectif qui est pour nous fondamental, c'est-à-dire que l'un des principes et l'une des valeurs fortes de cette construction, c'est de partager justement cette notion de patrimoine commun. Alors, que proposer pour parvenir à cela? C'est de mobiliser à travers les compétences qui sont présentes dans différents laboratoires, les compétences justement en termes d'anticipation. Car souvent, ce que nous observons justement dans les études autour des usages, c'est que les usages se font initérés. C'est-à-dire lorsque les choses sont faites. Et donc, à l'initiative, de ce qui peut se faire dans d'autres secteurs, ce que nous proposons dans le cadre d'Aquilabs, c'est de développer des approches de co-conception, de co-élaboration de produits et de services en se centrant et en partant de l'usager et des non-usagers. C'est ce qui nous intéresse et ce qui nous a animés dans cette construction, et un certain nombre de travaux ont été déjà conduits dans cette préfiguration, sachant que les porteurs, les initiateurs de ce projet, que ce soit Raymond, que ce soit Risco, que ce soit Catriona, etc., ont déjà une arrivée pas vierge de toute pratique dans ce secteur-là, et notamment il y a eu récemment un travail conduit sur de co-conception dans le cadre d'un dispositif de covoiturage qui s'appelle Hirondo.
Donc l'idée, c'est ça, c'est de comment participer à ces activités de collaboration et de co-conception, avec un certain nombre de fonctions qui sont des fonctions de participation, des fonctions de construction de projets, etc. Donc une intervention en amont qui est proposée. La seconde fonction, alors il n'y a pas d'ordre, je commençais dans ce sens-là, mais ça pourrait être la cinquième, la sixième, peu importe. La seconde fonction, en tout cas, dans la présentation, c'est l'analyse des usages, c'est-à-dire d'analyser ce que nous avons appelé ces parcours d'usage, d'outils et de dispositifs en situation. Ce qui nous amène aussi, dans la proposition de fonctionnement d'Aquilat, c'est de travailler au cœur des territoires. Alors, la question de l'urbanité, Daniel, partie tout à l'heure, a été posée, questionnée par Michel. Bien sûr, les usages urbains font partie du périmètre de l'intérêt d'Aquilat, mais également les usages au cœur du territoire, d'où, pas plus que l'idée, l'une des composantes d'Aquilat, c'est pour ça qu'il y a un S, parce qu'il y a plusieurs composantes, je ne peux pas présenter toutes les composantes, mais je veux dire, la notion de laboratoire mobile, de manière à être au plus près des acteurs. Et en clair, on prend souvent entre nous cette image-là. Là, on s'intéresse à une nouvelle interface, je veux dire, d'achat, je veux dire, au-delà de l'évolution des appels de Carrefour, excusez-moi si je note, ça pourrait être autre chose, mais on n'a pas... Ouais. Eh bien, on va se mettre sur le parking de la grande surface et puis tester en situation, je veux dire, le rapport de ces individus à cet objet. C'est-à-dire d'être au plus près des utilisations du contexte. Autre fonction également, c'est s'appuyant sur des installations, des équipements qui sont présents et qui vont être présents, qui sont présents déjà dans le sud-ouest du sud-ouest, c'est-à-dire la plateforme PEP, c'est-à-dire où il y a un certain nombre d'outils qui de simulateurs et autres, ce qui va être installé dans quelques mois à Bethany, plateforme dont a parlé tout à l'heure Valérie, et bien c'est également de proposer cette approche de prototypage, de démonstration, et de simulation et de test d'un certain nombre d'interfaces ou de situations d'usage. Ce qui nous intéresse également, par rapport à cette approche, c'est de considérer ce triptyque contexte, dispositif, usager ou non usager, essayer de comprendre comment ces interactions produisent, entre autres, les usages ou les non usages des dispositifs qui sont proposés. Possibilité, en tout cas, pour nous d'ouvrir et d'élargir aussi, pour resituer plus globalement l'usage de ces dispositifs et de ces plateformes, et donc d'être dans des approches plus globales, plus systémiques et mobilisant, comme nous y invitait tout à l'heure Michel, des approches économiques, mobilisant également les dimensions liées aux législations et autres. Et pour avancer également, d'autres approches, une cinquième fonction qui est proposée dans le cadre de la ce qui est l'évaluation, l'évaluation exemptée, etc., c'est-à-dire des évaluations des dispositifs mis en place en tant qu'évaluation, c'est-à-dire des mesures d'écart entre les objectifs, en tout cas entre du prescrit et du vécu, pour le dire rapidement, et considérant aussi que ces évaluations étaient des modalités d'évaluation des risques de déploiement de dispositifs. Toutes ces fonctions-là, ces cinq fonctions, donc contribuant, participant à cette sixième fonction, donc centrale et fondatrice de cette dynamique, qui est à la fois la capitalisation et le partage d'un certain des études, donc à la fois des données, des outils et des méthodes, et la dissémination, c'est-à-dire l'appropriation par l'ensemble des acteurs de ces résultats, de ces outils et ces méthodes. Donc voilà, en résumé, je veux dire en quelques minutes, la présentation de ce laboratoire des usages, dont l'objectif, eh bien, je le rappelle, à celui de l'ouverture, celui d'un positionnement qui est en quelque sorte cet entre-deux, entre la recherche, je veux dire, fondamentale académique et les besoins des territoires, les besoins des différents acteurs, et de participer à travers cela à un accompagnement, dans cette compréhension de dynamique de construction des usages, et accompagnement qui permettrait aussi, parce que c'est un point qui a été rappelé entre autres aujourd'hui, eh bien de gérer ou de rapprocher des temporalités qui sont parfois trop disjointes pour que des liens se fassent entre ces secteurs ou ces acteurs, c'est-à-dire des temporalités, en respectant les temporalités longues, parfois qui peuvent être perçues par l'extérieur trop longues de la recherche, et d'essayer d'initier, lorsque cela est possible et cela a du sens, des temporalités plus courtes de réponse à des problématiques qui relèvent
je veux dire, d'enjeux territoriaux, d'enjeux économiques et d'enjeux également des collectivités. Donc voilà, rapidement présenter ce projet. Ce projet qui est pour lequel, je veux dire, nous avons entrepris depuis janvier deux terrains pour tester la démarche. Premier terrain qui consistait à étudier, je veux dire, le fonctionnement, dysfonctionnement d'une messagerie dans une collectivité territoriale, et un autre terrain également qui était celui de l'usage d'un dispositif de communication entre acteurs de réseau de santé, et essayer de tester à la fois les approches et les méthodes dans des contextes où la contrainte était de travailler là, dans les temps courts, pour aussi nous assurer de notre capacité à travailler ensemble. Dans la suite, et dans le, je veux dire, non pas dès demain matin, mais plusieurs projets aujourd'hui peuvent être proposés à la table de travail, je veux dire, pour la rentrée, bien sûr des projets, mais également un travail avec les acteurs qui sont intéressés. Donc nous allons proposer dans quelques jours une réunion avec des acteurs qui nous semblent intéressés dans cette dynamique-là pour conforter cette proposition, pour aussi permettre à tout un chacun de la discuter, de l'approprier, et également de poser les bases d'autres actions. Ce que nous proposons aussi, c'est peut-être, enfin c'est pas peut-être, dans nos propositions, il y a à la fois une action formation, car l'idée c'est de se dire que dans toute cette dynamique-là, il y a probablement des développements de compétences spécifiques et qui peuvent être l'objet de formations qui pourraient être proposées à des acteurs qui s'intéressent justement à l'analyse des usages. Et puis, ce que nous proposons également en termes d'approche, qui sera lancé normalement à la rentrée, eh bien, c'est de questionner via une enquête dont nous n'avons pas encore défini les modalités, etc., mais de questionner les partenaires potentiels, en tout cas les acteurs, que ce soit les entreprises et les collectivités, sur eux, quelles sont les problématiques qu'ils rencontrent et qui sont rencontrées quant au développement de produits et de services numériques, et comment la recherche est, via ce type de structure, c'est-à-dire Aquilabs, peut répondre à cette problématique et accompagner donc la production de connaissances et une meilleure meilleure connaissance de ces processus autour des usages. Et peut-être, pour reprendre l'invitation qui nous a été faite lundi matin par le président, est de participer ainsi à la compréhension en tout cas de ces processus d'industrialisation à l'ère numérique et d'assurer et de conforter la fonction sociale de la recherche appuyée donc sur Aquilabs. Merci.